Les amis, il est quelle heure? Il est aucune idée. Non, il est un peu plus de 13h. Il fait un temps magnifique, mais hyper beau. C'est dimanche. Et ben vous savez quoi? On va aller faire une petite chasse. Voilà, on va aller chasser et on va aller se manger un beau kit. C'est parti. Les amis, rien de tel qu'une petite balade à la plage et à l'air libre. Du coup, regardez-moi ce PC quoi. 1000. 1000 piles. C'est pas courant quand même. C'est vrai, hein. C'est pas courant un PC de 1000 piles. Vous savez quoi d'ailleurs, il y a un bug. Parce que Marine et moi, on n'a pas les mêmes Pokémon. C'est chelou. Là, par exemple, le Chuchemur chez elle, c'est un hirondelle. Voilà. Enfin, on n'avait pas les mêmes Pokémon et je lui ai dit, ben, capture-les, on verra. Et elle a capturé le Cacnea chez moi et c'était un Limogma chez elle. Et bah ça a capturé un Cacnea et un Limagma. Enfin je sais pas, c'est incohérent. Complètement incohérent. Ce jeu est plein de surprises les amis. Toudou, j'ai trouvé un écrémeux. Ok? J'ai trouvé un écrémeux. Ça va écrémeux? La Guadeloupe aussi est pleine de surprises. Bon, on est parti à la chasse au Pokémon Shiny Combat. Moi j'aimerais bien un Machoke. Franchement j'aimerais bien un Machoke ou un Ferro-Singe, mais je préférais un Machoke. Ouais, je préfère un Machoke parce que ma cogneur est quand même pas mal utile, pas mal puissant. Ça me ferait plaisir, ou un petit Makuhita. Il n'y a que Meditika que j'ai. Meditika je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas eu pendant l'event, je l'avais déjà avant. Voilà, j'avais Meditika, j'avais même trouvé un deuxième, j'ai toute la famille, mais j'ai pas tous les autres quoi, donc j'aimerais bien tomber dessus. Makuhita, t'as cliqué? Ok. Oui, mais ça. Petite chasse, les amis, en attendant notre plat. Ça va? Olay! À la poké, moi je rigole pas. Voilà, rouge ou pas rouge, ça change rien. Bon, les amis, le beau temps n'aura pas duré très longtemps. Il est moche. Enfin voilà. Bon Philippe, si tu nous regardes, merci, c'est à toi que je le dois. Si vous demandez d'ailleurs qu'est-ce que c'est le Bokit, c'est ça. Ah, le Bokit, c'est vraiment une sorte de sandwich ici, dans un pain frit, vachement bon. Le ciel nous est tombé sur la tête. Ah ouais, c'est dommage, cette journée commençait si bien niveau soleil. Et on a pris une grosse flottasse. Mais en ce moment, c'est un petit peu ça, on a un temps un petit peu mitigé, hein, c'est vrai. Donc qu'est-ce que je mets dans cette arène, moi? Bon, au hasard. J'ai la flemme de faire recherche à une main. Donc on va essayer d'en trouver un vite fait. Allez, tiens-toi. Voilà, hop là. Voilà.
Ça me fait rire parce qu'il est immense. Du coup, dans l'arène, il passe à peine. Hein. La tête, elle toucherait le plafond. Je crois que l'arène a grandi quand je l'ai mis, quoi. C'est vrai, hein. C'est comme Welmer. Welmer, vous le mettez dans une arène, c'est incohérent, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? On a un Goélise qui n'est pas shiny. J'ai le pied tout mouillé. Qui marchait dans une flaque à regarder la caméra. On va aller voir jusque là-bas. Je suis trop déçu parce que j'ai pas eu de shiny combat. Toujours pas. J'ai toujours pas pu faire mon Dialga non plus. C'est vrai, hein. J'ai pas pu faire mon Dialga. Donc, ouais, j'attends encore de faire un raid Dialga et de trouver un shiny Machoke ou des choses comme ça. En tout cas, il y a des nouveautés qui sont tombées. N'hésitez pas, le week-end prochain, on a Rayquaza dans les raids, les amis. Donc là, le week-end qui arrive, hein, au moment où vous allez voir cette vidéo, au moment où elle va sortir, il y a Rayquaza du 15 au 18, là, qui arrive. Bon, il n'y a pas de Rayquaza shiny, hein, je vous préviens, il n'est pas disponible shiny, mais on va pouvoir faire du raid Rayquaza pour ceux qui ne l'ont pas, de vendredi jusqu'à lundi, voilà, de 22h à 22h, comme d'hab, hein, même heure. Donc voilà, jouez ce week-end, quoi, jouez ce week-end si vous voulez avoir votre premier Rayquaza, les amis. Il n'est pas shiny, touc. C'est tombé. Vous avez peut-être vu aussi que Niantic nous lance une espèce de raid du déjeuner. Voilà, bon, c'est bien parce que vos commentaires sont à l'image de ce que j'en pensais un petit peu, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand on regarde un peu Steven déjeuner, ben, je regardais ce que vous en disiez et je vois que la plupart d'entre vous disent « Ouais, c'est encore une manière de nous dire d'aller acheter des passes de raid, à midi, on n'a pas le temps, on mange. » Ben ouais, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi trop il lance ça. On va voir, écoutez, on va voir les répercussions, est-ce qu'il y en a à qui ça rend service parce que peut-être qu'avec le travail ils n'auront pas le temps de faire des raids, je sais pas, à voir cette histoire de raid du déjeuner. Bon voilà les amis, chasse infructueuse aujourd'hui, infructueuse, c'est pas grave, on se vengera la prochaine fois. Là, je vais vous laisser parce que du coup j'ai rendez-vous avec vous, voilà, pour le Nuzlocke dans quoi, dans 15 minutes, donc faut que je me dépêche, 13 minutes, ouais. Donc voilà, on y va, on va au Nuzlocke, on va en live, rendez-vous au live tout de suite, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez les meilleurs dresseurs, allez, ciao ciao tout le monde.